Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une vidéo sur Dofus aujourd'hui. Donc nous sommes avec mon petit roublard à la banque de Bonta, mais pas pour vraiment, on va pas vraiment parler du roublard. Juste pour vous montrer que moi, niveau camage, je commence à me refaire. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu du Crossmaster. Pourquoi du Crossmaster? Ben parce que c'est un petit jeu qui est dans Dofus et que je suis vraiment fan, 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 fan de ce jeu. Et je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui ma collection et je vais faire un combat avec vous. Et on va tester une compo que j'ai jamais essayée. Et donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc j'ai vraiment pas mal de persos. Hein. Je sais presque tous. J'en ai 43 sur 59. Et il y en a encore quelques-uns qu'un pote doit me passer, il doit me transférer il doit me les transférer de Wakfu. Enfin, j'en ai vraiment. J'ai le compte de Frigost aussi qui va arriver. Les Multiman, ça je les ai pas. Les Terminator, je les ai pas non plus. Et les Pichas, non. En fait, tous les persos, les tout derniers à être sortis, je les ai pas. Sinon, j'ai le Mercator, j'ai le Captain Amakna, j'ai le compte à rebours, j'ai les 5 chevaliers. J'ai Gultar, il est où? Il est où Gultar? Je ne le vois pas. Ah, il est là. J'ai le Goultar. J'ai pas Goultar le barbare. Lui, j'aimerais bien l'avoir. Imaginez Goultar plus Goultar le barbare. Ça peut être tellement pété. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai pas eu le temps de lui répondre. Si, je pense. Et donc, voilà. J'ai ouais, 85 crosses. En fait, j'essaye d'avoir assez. Pour m'acheter la panoplie, je ne sais plus comment elle s'appelle. La panoplie du Crossmos, un truc du genre. C'est pas là, je vais vous la montrer. On va répondre au petit bonhomme. C'est pas les Ogrines, c'est le Grand Bazar. Mais si, en fait, je suis coincé dans les Ogrines. Non, c'est le Cross Shop. Voilà, je vais y arriver. Alors dans le cross shop, il y a normalement une panoplie. Alors ça, voilà la cross manoplie, j'aimerais bien. Donc il me faut 400 cross et alors je pourrais la mettre en sur mon roublard. Et je vais rechanger toutes les couleurs, je vais la restuff et tout, vous verrez, ça sera super bien. Et il y a le balafreux. Qui est pas mal aussi. Y a le sacochère et le balafreux. Mais bon, c'est un peu beaucoup de crosses donc. Mais j'y joue pas mal, hein, mais j'en ai déjà utilisé en fait pour acheter des persos, les crosses. Et attendez, je vais juste regarder avec vous, tant que j'y pense. Donc, dans le cross shop, j'en ai 85. Alors, on va regarder s'il n'y a pas. Bah, bêtement, les personnages qu'on pourra acheter. S'ils sont là, c'est 200. Hein. C'est ça le problème. Goultar le barbare, il est là. Il coûte 200 crosses. Ça fait un peu violent. Mais bon, je pourrais l'utiliser. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon équipe du moment. Donc, c'est Goultar plus le Capitaine Amakna. C'est un peu abusé, je veux dire, comme compo. Donc, on va tester autre chose avec vous aujourd'hui. Il y a la compo Mercator et Gaspard Fay, il me paraît que c'est pas mal. Et je peux encore prendre d'autres choses, genre une petite Eni. Attendez, afficher la carte. On va prendre l'Eni et on va prendre deux Macumba. Ah non, elle en vaut deux, Macumba. Ah non, c'est l'Anisoli, je confonds. C'est la bloqueuse, elle, non, elle est pas intéressante. Le SRAM, il est pas mal. Les cas ici, ils coûtent combien? Coûte 2. Ouais, je crois que les cas. Ah, ben non, je vais prendre coagulé. En deux coagulés. Voilà. Là, c'est. Une team assez violente. On va faire, je sais pas moi, un défi.
On va voir si on peut pas défier quelqu'un. Et on va lui mettre la bite. Ça, faut pas lui dire. On peut faire un match classé, hein, tant pis. Je crois que je suis à 10 victoires d'affilée, un truc du genre. Mais c'est vrai que pour tester en général une nouvelle équipe, je préfère faire un match, un défi. Ajouter. Harry. Ah merde. Oh tant pis, ça peut pas être mauvais. Voilà, on a un combat. Donc on joue contre Ludotinko. Il a 25 victoires, 9 défaites et 8 abandons. Et il joue team avec Nox et avec les deux SRAM. Oui, d'accord. Moi je connais pas du tout les persos que j'ai pris. Donc on va tester, à part la petite coagulée que je sais bien. Alors, on va mettre les sacris en avant, les nids derrière et le mercator au milieu. Attendez, on se met bien pour ramasser les GG. Toi, tu vas là. Ça me semble pas mal. Et c'est lui qui a l'initiative, normalement. Oui. Moi, je peux faire punition. Pour 5 PA, mais il faut que j'aille au cac. Donc, problème de Nox, c'est que il tape de loin. Et il est assez violent comme perso. Mais ça va encore. Il peut se TP et tout. Enfin, c'est vraiment un bon perso. Je l'ai joué tout un moment. Mais j'avais envie de tester autre chose. On va baisser un petit peu le son. Voilà. Je vais regarder si ça se passe bien. De l'enregistrement, oui, c'est parfait. On va pas les utiliser. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, je ramasse beaucoup de Kama, moi, histoire de stuffer les persos. Voilà, on en a déjà 8. Gaspar, fait, tu vas ici. Alors, qu'est-ce qu'il peut acheter? 3 PV, non. 1 PO, 1 PV, ça peut être pas mal. C'est vrai que 3 PV, c'est cool. Ouais, je vais mettre ça sur le Mercator. Ça, il va avoir masse PV, le Mercator. Sort sans ligne de vue. Voilà. On va lui mettre sa carapace, donc il monte à 20 PV. Alors il a quoi? Soins personnels, non, presse armure, dégâts de zone. J'apprends en même temps que vous, hein. Sort à distance, ouais non. Ça va comme ça. Et elle, on va la protéger. Voilà, c'est pas mal. Donc ce que je fais aussi souvent, c'est qu'au niveau des dés, je m'arrange toujours pour que... Ben voilà, il fait des doubles comme moi. Il fait la même technique que moi. Donc là, je suis pas mal placé, je suis assez protégé. Et TP son Nox. Après, Gaspar fait, je sais pas du tout ce qu'il est capable de faire. Il peut s'ajouter 2 PV. Je sais bien que le Nox, il fait mal. Et il enlève des PA à chaque fois qu'il tape. Donc c'est assez chiant. On va bien voir. Après sa armure pour 3 PA. Il en a 4 et là il lui en reste... Ah, il lui en reste 4. D'accord. Sinon j'en ai 6. Et Slur fil, je sais pas ce que c'est. Il amasse des Kama. Il a 15 Kama lui. Moi j'en ai 6. Je pouvais rien acheter d'autre, non.
Ouh, un truc qui enlève moins 3 PA, non. Sans récompense. Oh. Ce cas, c'est essayer d'instant son. On va mettre ça sur le gaz parfait. Est-ce qu'il peut acheter quelque chose de sympa? Épidiop. Plus de. On va mettre ça sur. Le gaz parfait. Allez. Un truc à 3. On va mettre ça sur l'autre sacré. Voilà. Alors le Gaspard. On monte là si normalement on a plus de PO. Ah merde, portée non modifiable, c'est vrai, il l'avait dit en plus. Je peux pas encore le faire. C'est pas grave, on va avancer avec le Mercator. Je peux pas encore le soigner. Il s'enlève 5 PV, il a plus 1 PM. Oh oh. Ah oui, au prochain tour. Oh, ça va être violent ça. On soigne. Normalement, prochain tour, on va commencer à lui mettre la bite. Soit je mets tout sur Nox, soit j'instante le SRAM. Pour moi, je dirais que ce serait peut-être bien d'instante le Nox. Parce que le Nox, il coûte 10 PV, enfin 6 PV, enfin 6 GG plutôt, je vais arriver. Si je le tue, c'est la partie qui est gagnée. Et il va essayer de l'instante. C'est bien joué de sa part. Elle coûte pas grand chose coaguler. C'est vrai que c'est toujours un perso, hein. Ça sert toujours. Son SRAM ici, je crois qu'il est condamné. À moins qu'il aille par là. J'hésite. Donc là, mon Mercator, il va avoir 12 PA. Et il va faire masse dégâts. Ah ben, il vient au cac le SRAM. Ah, il va peut-être essayer de me tuer. Ah, c'est pas con. Ah ouais, il m'a instant. Il a bien joué. Je perds seulement un GG, donc c'est pas trop grave. Ah non, ah non, j'en perds pas, hein. C'est lui qui en récupère un, hein. C'est bizarre. On va mettre critique. On va en mettre un sur Mercator et l'autre sur Gaz Parfait. Tu vas par là. Ah oh merde, il me manque un PV. Enfin un PM, pardon. Attention. Pef. Attention. Oh zéro, t'es sérieux? Ouais, je vais aller. On met tout sur le Nox. Voilà. On a fait un peu de dégâts. Oh non. Ah là là, c'est compliqué comme combat, hein, faut l'avouer. Il y a le marteau de Persimol aussi qui est sympa. Plus 2 niveaux. Ah, c'est sur Wakfu ça.
Il décide de me mettre tout sur Mercato. Il est fou, quoi. Ah, mais le Nox, il a déjà plus que 8 PV, c'est pour ça. Oh, yes. Si je tue son Nox, c'est bon. Parce que son Srami, il sert à rien. À part repousser 2 cases, mais pour le moment, il n'a pas servi à grand-chose. Le Mercator. Étanche, plus de PL, sort d'attaque lancée, ce tour inflige. Il y a un bonus doré sur son SRAM. Ce qui va essayer de me tuer. Parce que j'ai jamais utilisé mon Aurora. Moins un. Ça va, on s'en sort bien. Zéro, yes. Le petit Gaspard, il va tout mettre sur Nox à ce tour-ci. Puisque j'ai... Oh oui, il reste en zone en plus. Ça c'est très bien. Ah non, ça va, il bouge. On va lui faire... Descente... Sur le gaz parfait. On va ramasser des GG. On va acheter un truc pour lui. Sur le gaz parfait. Alors, lui, il va faire ça. C'est con. Oh non, j'ai fait une connerie. Non, s'il vous plaît, non. Voilà, et on fait ça sur soi-même pour se soigner. J'ai fait le con, j'aurais pu défoncer son Nox en un tour. Oh, il va jouer les GG. Et il va essayer de tuer mon... Il fait la même technique que moi. Oh, j'ai tellement fait le con, quoi. J'ai dispensé mon bonus alors que j'avais qu'à cliquer là, hein, je pouvais le taper. Son Nox est 5 PV, si je faisais masse dégâts, je pouvais le terminer. Un peu con, ça arrive. Il va tout mettre sur ma... Ah non, sur mon Gaspard fait. Il a con... Il vaut combien mon Gaspard? Il vaut 3 et je crois que j'ai 3 GG. Oh non, il va pas y arriver. Ah bah si, il va y arriver. Eh ben, en tout cas, si je perds, c'est de ma faute parce que j'aurais pu gagner à ce tour-ci. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai vraiment fait le con, ce niveau-là. Et eh ben voilà, je perds. Et eh ben c'est de ma faute, il a très bien joué le coup. Je connaissais pas encore très bien le perso. Et en revanche, ça serait bien. Alors, il est quelle heure? 14h30. Ben, limite, je vais refaire un deuxième combat, mais avec ma vraie équipe. Et mais je vais vous le faire dans une autre vidéo, comme ça vous le verrez demain. Comme ça vous aurez une vidéo pour tous les jours. Et Gul'dar, il est là. C'est le compte de Fricostyle ou mon Nox? Ah, il est là. Je jouais beaucoup Gul'dar Nox, moi, à un moment. Non, je vais faire ma technique. Gul'dar, Captain Namakna. Et là, je peux vous dire que ça envoie du pâté. Donc voilà, pour cette vidéo-ci, les amis, je vais l'arrêter ici. Ben, je vais en refaire une deuxième juste derrière, comme ça vous aurez une vidéo par jour pendant le week-end. Et dès lundi, ben, on pourra choisir si on fait du Wakfu ou pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!